Bonjour à tous, c'est Yaya Big Boss. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de construction Lego Ninjago sorti en 2014. Référence 70724. Alors, je n'ai pas la référence là-dessus et je n'ai pas le carton non plus, bien sûr. Donc, je vais quand même mettre cet éclairage ici pour qu'on ait un peu plus de lumière. Il contient 4 personnages, donc Pixal, Zin, un Nindroid et un autre Nindroid, mais vous verrez pas du tout la même chose. Pixal, je crois qu'elle est exclusive à ce modèle-là. Zin, pas, en l'occurrence. Et donc, on va commencer direct avec la construction des personnages. Mais, vu qu'il y aura plusieurs parties, je pense en l'occurrence 4, eh bien, je ferai un personnage par vidéo. Voilà. Donc je pense, vu qu'il y a deux petits jets pour les Nindroids, je pense que ce sera ça la partie 1. Et après, peut-être qu'il y aura 3 ou 4 parties, parce que le vaisseau quand même est assez grand. Donc je vais le construire peut-être en 2 ou 3 parties. Ce qui fait que, plus la partie personnage et Nindroid, eh bien, je vais déjà construire tous les personnages. Voilà. En fait, c'est plus simple. Comme ça, je construis pas un personnage par partie, mais tous les personnages dès la première partie. Donc, j'ouvre le mode d'emploi, bien sûr. Donc, assez grand quand il est ouvert, hein, quand même. Tout ça. Et Lego me donne une petite, un petit appareil de décrochement en bonus. Et je me suis permis en fait de déjà installer les pièces, car j'ai fait déjà une première tentative de vidéo. Et j'ai mis 10 minutes à faire le plateau, ça, pour en vidéo. Donc c'est vraiment chiant pour vous. Et donc, eh bien, j'ai fait ça comme ça. Et en fait, je vais essayer de trouver au moins la planchette de sticker. Parce que ce serait bien qu'on la trouve. Voilà, je l'ai trouvée. Donc ici, planchette de sticker. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Donc 17 petits stickers. Référence 70724. Toujours. Je pense 3 parties. On dira ça comme ça. 2 parties pour le vaisseau. Une partie pour les petits vaisseaux. Et donc on commence maintenant avec. Bien, on va commencer du plus nul au meilleur. Donc on va déjà prendre toutes les pièces de personnages. Donc j'ai trouvé déjà 4 pieds. Les pieds de Zen n'étaient pas très faciles. J'ai trouvé déjà une barre pour Zen. La coupe de cheveux de Zen. Ah bah 4 têtes. Waouh, elles sont regroupées. Donc pas mal. Les deux comme ça. Oh, toutes les pièces sont vraiment bien regroupées. C'est pas voulu. Absolument pas. Donc, les torses qui traînent aussi ici, mais j'ai que de la chance. C'est que de la chance. Et donc, je trouve aussi ça. Le foulard de Zin. 2 fois cette petite pièce. Lame technolame. Et encore cette petite barre ici. Voilà. Donc normalement, je devrais tout avoir, sauf une petite pièce qui est là, voilà. Et là, je cherche pas mes pièces, et c'est vraiment très pratique. Et vraiment pratique. Alors, on va commencer depuis le moins bien, je vais dire ça comme ça. Donc, des pieds non imprimés, avec un imprimé de corps, celui-ci, voilà. Donc, je vais me placer un petit peu mieux de sorte à pouvoir bien vous montrer les personnages, donc comme ceci, que l'on ne voit pas très très bien à cause de la lumière qui est mal faite. Voilà, donc focus s'il vous plaît. Non, quand je dis focus, c'est un beau focus et pas un focus pourri. Donc si je fais ça et que je mets le focus, voilà, et je m'excuse parce que ça bouge vraiment. Et donc, imprimé avant et arrière. La petite accroche avec
Accroche. Accroche technique circulaire. Qu'est-ce qu'on met encore? Eh bien, la tête, voilà. Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Je crois que les deux sont les mêmes. Donc, voilà pour notre petit Nindroïde. Sans armes, voilà. Dommage. Et donc, le petit Nindroïde numéro 1 qui est ici. Et dans la dernière Big Boss Life, en fait, je vous ai dit qu'il y aurait Maître Chen. Donc, on va le poser, ouais, bah, disons là. Ce sera l'emblème de la chaîne. Donc, je vais essayer de faire une photo, ouais, de Chen et de Captain America pour le mettre en photo de profil. Bon, après, la tenue Deep Stone de Lloyd, que vous avez déjà en photo de profil, est déjà pas mal. Mais on n'est pas là pour discuter de photos de profil ou comme ça. On en parle assez sans en parler dans les vidéos. Donc, pour celui-là, c'est bon. Deuxième Nindroid. Comme ça. Et voilà. Qui lui ne vient avec aucune armure particulière. Mais comme ceci. Et donc il y a eu un bug. Voilà. Il y a un bug de moule. Un gros bug de moule de la part du Lego. Je vais essayer de vous montrer ça à l'écran. Je sais pas si vous voyez bien le côté gris du moule du Nindroid. Voilà. Maintenant que vous avez vu ça, je vais vous montrer le moule de ma cagoule de Nindroid et ses reverses. C'est en mode reverse. Donc un petit bug de la part de Lego. J'espère que ce ne se reproduira pas parce que c'est quand même un peu dérangeant. Voilà. Donc deuxième Nindroid. Petite arme, une barre, une accroche en sorte de dague que vous avez là. Si vous mettez là, ça part comme ça. Donc, si vous avez, bah, je sais pas, une autre dague, voilà, une là, et que vous le mettez là, c'est un peu gros, mais ça fait un peu. Puis ça coupe quoi. Je sais pas si, mais une dague, précisément, c'est plutôt ça. Précisément, c'est ça. Si je perds pas la pièce, bien sûr. Et c'est un peu ce que je viens de faire. Et donc, une dague, c'est ceci. Voilà. Petite information. On repose notre Nindroid à terre. Donc, on accroche ça comme ça. Et donc, voilà pour sa petite arme. Enfin, petite, elle est déjà pas mal pour une arme. Deuxième Nindroid. Terminé. On va construire Pixal parce que quand même Zen est le héros, donc on construit à la fin. Et donc ça, la tête de Pixal. Deux émotions. Et vu que c'est un ordinateur, elle a les yeux verts ou rouges, voilà. Et la petite coupe de cheveux un peu pitoyable, je dirais plutôt que c'est un balai brosse, c'est un moule de balai brosse, mais bon, on va pas se foutre de la gueule des gens. Mais après, c'est mon avis, hein. Donc, on tourne la main et on met ça comme ça. Voilà, je suis désolé, mais Pixel est blanche donc ça brille. Et il y a un petit bug parce que normalement elle est grise, j'étais sûr qu'elle était grise. Enfin, bon. On continue, eh bien, avec Zen quand même. À 10 minutes pour faire des personnages, ça va. Mais 10 minutes pour faire de l'installation, plus 4 minutes pour faire les personnages, c'est moins beau. Ouais, si je le mets à l'envers, ça va pas. Donc, il faut que ça se croche bien. Et puis, je sais pas si vous avez entendu le petit clip, mais je crois pas que je peux le mettre davantage. Je vais essayer ça hors caméra. Je sais pas si vous avez entendu le petit clip, mais ce qui fait que maintenant ça tient vraiment bien. Et on lui met sa petite coupe. Elle est exclusive à cette vague là, si vous la voulez dans cette couleur là. Et ouais, ça tient pas top.
Donc on va faire ça comme ça. Et il a une deuxième arme si on veut. C'est le faucon, bien sûr. Comme ceci. Sur son petit perchoir que Zin tient dans sa main. Comme ça. Et donc voilà pour nos quatre personnages qu'on va disposer un peu entre les tas. Je trouve ça pas mal. Enfin, lui, on va le mettre dans le tas parce qu'il n'est pas top. Lui, on va le mettre là. Et Zin, vu que c'est le héros, on le met au milieu. Voilà. On avance avec cette pièce-là. On continue avec cette pièce-là. Puis cette pièce-là avec... C'est une 2x2 avec une 2x6 avec trou circulaire. 2, 1x1. Que l'on place ici et ici, c'est vraiment trop bas. Je vais baisser parce que je me rends compte que l'on ne voit que dalle. Est-ce que c'est mieux? Ouais, ça devrait être un petit peu mieux, du moins j'espère pour vous. Mais du coup, ça bouge un peu plus. Je pense que c'est un peu dérangeant pour vous. Et donc, ces pièces-là, deux fois dans le même sachet. Oui, je l'espère au moins. Ici, on ne pioche pas dans ce sachet ou ce sachet. Je me dis que j'aurais pu les ouvrir à la deuxième partie. Mais je pense qu'on va y toucher car j'ai vu des pièces qui s'utilisent. Mais je pense qu'on va y toucher. Mais possible qu'elles soient ailleurs aussi, ces pièces. Et donc, on continue avec ces deux pièces ici. C'est quand il y a beaucoup, beaucoup de pièces, c'est un peu dur à trouver les pièces. Parce que quand vous voyez toutes ces pièces, comment vous allez trouver tout ça? En fait, si je fais ça, ça assombrit l'arrière. Regardez en haut de l'écran. C'est excellent. Et bon, on n'est pas franchement là pour s'amuser à ça. Cette pièce là, donc Nindroid Jetpack, je pense, et oui, parce que je pense que ça va s'accrocher ici. Donc, oui, Jetpack, je suis quasiment sûr que ce sera le Jetpack de notre petit Nindroid, mais moins bien. Donc, celui-là et pas celui-là qui vient de tomber. Hop, et ça se rééclaire. C'est vraiment bizarre. Je sais pas si vous, ça vous le fait ou ça fait que quand je filme et qu'après ça le fait pas. J'ai jamais fait attention, mais si je fais ça, boum, boum. Je sais vraiment pas. J'ai jamais fait attention à ça. Et donc, on l'avance pas mal, notre petit véhicule du Nindroid. Et ces petites jets sont aussi disponibles. Enfin, dans la série, vous les voyez. Donc, ici, comme ça. Hop. Ah ouais, non, dans l'autre sens. Car si on le prend comme ça. Ok, j'ai compris la logique. Je trouve plus la deuxième dague. Deuxième dague, où es-tu? En plus, je ne sais pas à quel paquet tu appartiens. J'ai perdu la deuxième dague, voilà. Non, je dis que des conneries parce qu'elle est là, la deuxième dague. Donc, voilà. Et donc, il va rendre plutôt bien notre petit jet à la fin. On le retourne et je suis complètement ailleurs. Faudrait que je me mette un petit coussin sur le bord de la table parce qu'à l'angle droit. Ça fait un peu mal au bras à force de tenir comme ça. Mais bon, ça va aller pour cette petite vidéo. Je réglerai ça sûrement pour la deuxième partie. Car je sais qu'il y aura une deuxième partie parce que un quart d'heure pour faire ça et quatre personnages pitoyables. Mais bon,
Je pense que si j'étais pas en vidéo, j'irais beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Donc voilà, déjà terminé, je pense. Donc on le prend comme ça, le Nindroid, dans le petit trou circulaire avec la croche. Comme ça, et voilà, on peut le tenir comme ça. Et il tient bien grâce aux petites accroches que l'on a mis ici, qui font qu'il ne peut pas bouger. Parce que si on le tire un peu, ça bouge. Si on le remet bien, eh bien ça ne bouge plus. Et donc, on peut pas le poser, c'est ça le problème. Je pense que si on fait ça... Ouais, je pense qu'on peut se poser, mais seulement comme ça. Ouais, voilà, c'est moins bien. Donc voilà pour notre premier petit jet que l'on va poser bah, par là-bas au fond. Non, ici, ici. Là, ça me plaît bien comme place. Et on va faire notre deuxième... Ça, c'était plutôt un jetpack. Et maintenant, on va faire une sorte de jet plutôt. Petit avion minuscule. Donc on prend voilà une longue pièce noire. Donc on a pris dans le tas que je pensais pas prendre. Il nous reste plus qu'un tas, hein. Il y a l'air d'y avoir que des grosses pièces blanches et tout, donc je sais pas. Donc maintenant je trouve plus les pièces. Ça va pas ça. Je sais qu'il y a déjà ça et ça. Donc ça qui s'accroche là. Donc bien au milieu. Mais ces deux pièces-là, ça doit être ici. Voilà. Je remettrai Zine plus tard. Voilà, on va te remettre Zine. Comme ça, on prend une pièce rouge, une fois deux, voilà, ici. Et on prend deux grosses pièces violettes. Donc ici, ici, qui donne déjà beaucoup plus de masse au véhicule. Une petite pièce rouge ici. Et une autre noire, comme ceci. Et donc, dessous, on prend une troisième et dernière pièce noire que l'on met comme ça pour bien tenir le tout. Voilà. On pose pas ça, en fait. J'ai cru qu'on posait ça, mais non. Donc, on construit plein de choses. Là, on va presque le terminer, je crois. Ouais, il reste... 2-3 pages. Donc, on continue avec ça que l'on met ici. Il y aura des commandes à noter. Donc, en sticker que je ne vais pas coller, bien sûr. Car en vidéo, comme vous me connaissez, on ne colle pas de sticker durant la vidéo, sauf si la vidéo sera très très courte. Ce qui était le cas pour je ne sais plus quel set. Et oui, je dis que ouais, c'était le cas pour, mais je sais plus. Voilà. Et donc ça, une grande barre grise pour accrocher le tout. J'espère que vous voyez bien, parce que j'essaye un peu d'avancer. Rapidement. Ouais, je trouve pas les pièces qu'il me faut. Ce sont des pièces de moteur. Ok. Ils me disent qu'elles sont grises, mais en fait elles sont grises. Ah ouais, ok. Le gros bug, c'est que ces pièces-là vont ici. Avec une seule et unique accroche. Et donc ça, on accroche ça là et ça là, comme ça. On accroche deux, je sais pas comment appeler ça. C'est pas vraiment des pistolets parce que ça peut rien tirer.
Donc comme ça et comme ça. Comme ça c'est bon. Et une plaque violette pour accrocher ça bien ensemble. Parce que ça tient vraiment pas. Ça veut pas tenir. Pas ces pièces-là. Elles devraient être ici. Donc on les met à l'arrière. Donc il m'en faut encore une. Que je ne trouve pas. J'ai une pièce technique qui se balade toute seule. Et voilà, ici. Donc ici, toutes les quatre petites, une fois une. Et cette petite pièce d'accroche. Donc je pense que ce sera pour accrocher son arme. Possible. Je sais pas encore. On verra. Une petite 2 x 2 pointue. Voilà. Qu'est-ce qu'on met encore? De grosses piques qu'on accroche dans les deux trous qu'on vient de mettre avec nos petits. Une fois une. Une fois une. C'est pas voulu, j'ai des petits problèmes de voix, on va dire. Sticker ici. Et on continue encore, on continue. Encore une pale, où est-elle? Je trouve pas la deuxième pale. Mais non, c'est pas possible. Donc on va déjà faire ça comme ça. Donc on met une pièce technique ici. J'ai la deuxième pièce technique, mais j'ai pas la roue. Et je suis pas aveugle pourtant. Je ne la vois vraiment pas. Ah ouais. C'est logique, je ne suis pas aveugle, je ne la voyais vraiment pas. Donc comme ça. Ça, on accroche dans le trou des faux pistolets et dans le deuxième hein, précisément. C'est comme ça que l'ego nous dit de faire. Pour continuer. Qu'est-ce qu'on a pour continuer? Alors, on fait le cockpit. Et je crois que l'accroche doit être par là. Voilà, ici, comme je l'avais prévu. Enfin, prévu. J'avais un peu deviné. Elle est où cette pièce une fois deux violette? Ah ouais, là-bas au fond, derrière Chen. Que l'on accroche ici. Comme ça. Et donc, notre petit deuxième ligne droïde. On le prend. Et je viens de comprendre un truc, mais vraiment trop cool. C'est que. On le tient comme ça. Hop. Et notre petit jetpack est en fait un véhicule détachable qui se croche ici. Donc en gros, on a un vaisseau comme ça avec un petit jetpack qui s'enlève ici comme ça. Moi qui me disais que c'était pour mettre ah ouais. Carrément. Moi qui me disais que c'était pour mettre son arme. Non, c'est bien plus cool. Et donc on va quand même le laisser ouais, en entier. Sans le véhicule détachable. Comme ça, il est un peu rangé. Et pour la deuxième partie, bien sûr, on va faire notre deuxième partie dans pas longtemps. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et je vais quand même faire une sorte de dernière petite présentation avec. Ouh, le big truc qui a fait tout planter la vidéo. Donc ça, comme ça, voilà. On coupe comme ça pour pouvoir mettre le véhicule là au milieu. Parce que je peux vraiment pas tout vous faire en une partie.
Ce serait un petit peu trop long. Tac, pixel. En fait, pixel, je l'avais mise là-bas et on la voyait même pas. Notre petite chaîne, voilà. Voilà, un petit focus. Donc, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, à la seconde, notre petit maître chaîne et notre symbole de la chaîne, on va dire. Il sera là, il sera présent dans toutes les vidéos. Ce sera soit Captain America ou soit Maître Chen. Mais de toute façon, il y aura un des deux. Si vous voyez une vidéo où il y a ça, c'est que c'est une copie de moi. Voilà. C'est qu'on m'a converti la vidéo et qu'on l'a remise. Parce que moi, je vous dis, c'est mon truc, ça. Donc comme ça, vous savez. Et donc, moi, je vous dis à bientôt. Et salut à tous, portez-vous bien et bah en fait non, bah à toutes quoi, à dans un petit moment, salut à tous.